Eh bien, me voilà à Wellington, tout au sud de l'île du Nord. Apparemment, c'est très venteux. Aujourd'hui, je pense que j'ai de la chance. Il n'y a pas trop de vent. Ils sont même là-bas en train de s'entraîner. Alors, à première vue, c'est plutôt sympa. Voilà, on se promenait, une petite bière. Alors pour ma journée à Wellington, après m'être promené un petit peu, avoir fait du skate, savourer une bonne petite bière, je me suis dirigé vers le Weta Cave et puis par la suite fait un tour dans le Weta Workshop. Et donc c'est l'atelier qui a créé les décors pour des films comme Warcraft, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, District 9, King Kong et autres. Donc là on voit les images de Weta Cave qui est en fait la boutique. Et par la suite, malheureusement, la visite des ateliers, ni les caméras vidéo ni photos ne sont autorisées. C'est bien dommage parce que c'est franchement super intéressant. Mais on voit, ils nous montrent voilà, toute la procédure pour fabriquer les accessoires et certains décors de films. Donc comment ils passent du dessin au rendu 3D, comment ils fabriquent les moules pour ensuite faire... voilà, la majorité des choses sont en plastique, même les trucs en bois et souvent même en métal sont souvent en plastique. Alors ils font quand même quelques exemplaires dans les matériaux originaux pour des gros plans durant les films, et c'est très très inspirant à aller voir. Donc je recommande à tous d'aller voir, faire les visites. Et donc dans la boutique, on pouvait trouver des choses comme des vrais anneaux, tout plein de trucs en cuir véritable, et aussi des épées, des figurines, tout ce qu'on peut rêver en étant fan de ces films-là. Il y a vraiment de quoi dépenser une petite fortune en faisant le tour de la boutique, ça c'est clair. Demain donc, direction l'île du Sud. Si je ne me fais pas bouffer.